ce soir, on va s'intéresser à la Zumba. Le nouveau son R&B. 20h minuit. Black Box by Night. Excellente soirée avec nous sur le 103.7. On est ensemble jusqu'à minuit avec exceptionnellement ce jeudi soir. Mel, on va parler forcément Zumba. Bonsoir à toi Mel, la forme. Oui, bonsoir Adji, salut, tout va bien, merci. Ça fait très plaisir de t'accueillir dans les studios de Black Box. On va s'intéresser à la Zumba et puis aussi et surtout aux cours de danse puisque c'est vraiment un nouveau phénomène, même si, comme tu me le disais hors antenne, ça fait des années que la Zumba existe. Alors, dis-nous tout sur ce style musical, s'il te plaît. Alors, la Zumba, donc, c'est un mélange de danse latine et de fitness. C'est Beto Pérez qui a fait découvrir en fait, cette nouvelle danse et ce concept Zumba, puisque c'est vraiment un concept. En fin de compte, il était donc, prof de fitness en Colombie, il y a longtemps de ça. Et un jour, il s'est avéré qu'il est arrivé en cours, il a dit « Mince, j'ai pas, bah, à l'époque c'était des cassettes audio, j'ai pas mes cassettes audio pour donner mon cours de fitness, je suis bien embarrassée. » Bon, ben, je vais aller vite dans la voiture, voir ce que j'ai au niveau de mes sons, et puis il va falloir que j'improvise quelque chose. Et donc il était très salsa, enfin très musique latino en fait. Et du coup il a improvisé un cours avec un style de danse mélangé donc à ses cours de fitness. Tout le monde a vraiment adhéré en fait à cette nouvelle chose qu'il venait de mettre en place. Et du coup il s'est dit bah, je peux carrément créer un concept, et il a appelé la Zumba. D'accord. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques et que surtout tu donnes des cours ? Alors, moi, je pratique depuis 3 ans. Ça fait 2 ans que maintenant, je suis instructeur Zumba sur Bordeaux. Donc, voilà. Après, sur la France, c'est vrai que ça a débarqué beaucoup plus tard. Et sur Bordeaux, ça fait à peu près 4 ans que ça existe. D'accord. Tu bouges pas mal. On va retrouver le son sur les platines de Black Box by Night. Si vous voulez lui envoyer un message ou tout simplement vous inscrire peut-être pour des cours de Zumba, ça se passe comment ? Alors, n'hésitez pas donc à me retrouver. J'ai un Facebook sur lequel je suis assez, souvent connectée. Donc, vous pouvez m'envoyer voilà, vos coordonnées. Il n'y a pas de souci. Je peux vous faire venir sur mes cours. Donc, moi, c'est Zumba Boqua Mel Bordeaux. Voilà, en sachant justement que je ne fais pas que de la Zumba, mais aussi du Boqua. On D'accord. en parlera peut-être tout à l'heure. Exactement. Le nouveau son R&B, c'est sur les platines de Black Box by Night. Bon courage si vous êtes encore au taf. On est ensemble jusqu'à minuit. Non, faut pas plier. Oh non, faut pas plier. Je sais, faut pas oublier. Elle est exceptionnellement notre invitée et ça me fait très plaisir de l'accueillir. Elle est très charmante. C'est Mel, prof de danse de Zumba. Donc ce soir, forcément, je vais devoir suivre un peu et ça va me changer, on va dire. Les cours, ça se passe où et comment ? Alors, Adji, pour mes cours, donc, je donne des cours un petit peu partout sur Bordeaux et la Cube. Donc je suis le mardi soir au studio Petit Pas à Bordeaux. Donc c'est en plein cœur de Bordeaux, hein, pas loin de la rue Fondaudège, précisément rue Ulysse Gaillon, donc studio Petit Pas. Ensuite le mercredi soir, alors pour le mardi soir je donne des cours de 19h à 21h, il y a 2 cours d'affilée. Le mercredi je suis sur Lormont, donc je donne des cours dans la salle du point animation Carrier à Lormont de 20h30 à 21h30. C'est une ambiance vraiment festive où je mets les petites lumières tamisées. Enfin voilà, c'est très ambiance boîte de nuit, discothèque et tout, donc on s'éclate. Ensuite, je donne des cours également sur Cadojac avec l'association La Bougeotte le vendredi soir de 19h à 20h. Et le samedi matin, une toute nouvelle salle que je mets en place à partir donc du 9 février, ce samedi. Donc je vous invite à venir découvrir. Alors, c'est dans la salle Corée Danse à Bordeaux-Bastide, ça se trouve 76 rue Mozart. Et je vous invite à venir découvrir également le Boqua de 10h à 11h, puis la Zumba de 11h à midi, dans cette nouvelle salle que je viens d'avoir. Mel, c'est ouvert à tout le monde, donc ça veut dire que moi aussi je peux venir. Oui, avec plaisir, Adji, tu peux venir. Le profil, justement, des participants. Justement, il n'y a pas de profil particulier, c'est vraiment ouvert à tout public, que ce soit homme ou femme, ou même enfant. Bon, enfin, les enfants les acceptent à partir de 12 ans sur les cours d'adultes. Et c'est vraiment un moment ludique, on est là pour s'amuser, se défouler, se dépenser à fond. Donc si j'ai bien compris, il y a du son, donc forcément voilà. De l'ambiance. Bien sûr. Le but du jeu d'un cours de Zumba, c'est quoi ? C'est vraiment s'amuser, s'éclater dans la bouchoie et la bonne humeur en musique. Et on est là vraiment, pas pour se prendre la tête, mais vraiment pour se dépenser à fond, transpirer et s'éclater. D'accord. Tu vas nous faire une petite démonstration, pourquoi pas, ce soir. Et puis, je vais même aller chercher mes tennis et enfin tout ce qui va bien, histoire d'être en forme. On va retrouver le son sur les platines de Black Box by Night. Vous pouvez bien évidemment mater la photo du jour sur le Facebook Black Box Animateur. Oh, yeah, yeah. Black Box by Night.
C'est la question sport d'Adji. Mel, c'est la question sport. Quel est le sport donc que tu trouves le plus naze, le plus bidon ou que tu n'aimes pas? Le sport le plus naze, alors je vais dire le foot. Tous les hommes vont me détester. Toi, tu cherches les hommes. Non, franchement, j'ai été souvent avec des mecs qui étaient à fond dans le foot et bon, au bout d'un moment, on commence à en avoir un petit peu marre. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, ce sera le foot. On te remercie pour ta réponse, Mel. Merci. Sur une île déserte, Mel, tu peux amener 4 choses. Alors, j'amène mon portable parce que... Pas des personnes, on est d'accord, choses. D'accord. En un, le portable. Alors, ouais, en un, le portable. Malheureusement, sur l'île déserte, je pense qu'il n'y aura pas de réseau, mais bon. Donc, mon PC également. Oui. Pas de personne, c'est quand même difficile parce que j'ai ma fille quand même que j'embarque partout avec moi. Oui. Mon sac à dos avec toutes mes affaires. Zumba pour me défouler sur l'île. Et puis, en quatrième, qu'est-ce que je pourrais emmener? De quoi aller me baigner, hein, si je suis sur une île. Ouais, bah en même temps, si t'es sur une île qui a personne, tu pourras y aller en tuy-dev, personne ne va te calculer. C'est ça. Ton plus beau souvenir, pas forcément sur scène, mais pourquoi pas aussi sur scène, ou ton plus beau souvenir de Zumba, on va dire. Bah, mon plus beau souvenir, justement, le Zumbaton. On a été, je sais plus combien de profs, on était super nombreux. C'est Pascal Diliegro qui avait organisé ça. Et franchement, ça a été vraiment énorme. On s'est retrouvés vraiment avec une foule en délire devant nous et c'était vraiment exceptionnel. La rencontre artistique qui t'a marqué, si t'en as une. Alors oui, Beto Pérez à Paris. C'était au mois de mars de l'année dernière et c'était énorme. Ton plat et ta boisson préférée, Mel? Alors moi, j'adore les lasagnes au saumon. Et en boisson, je suis très jus de fruits, donc j'aime bien tous les cocktails de jus de fruits. D'accord, mais c'était ton top 4. C'est un sans faute. On va dire que c'est un sans faute. Top 4. Sur Black Box. Le nouveau son R&B. J'ai vraiment envie de parler de ce phénomène parce que c'est un réel phénomène. Ah oui, c'est clair. On peut le dire. Ça fait quand même 2-3 ans que la France a été envahie par les cours de Zumba. Mm-hmm. On en mange à toutes les sauces. C'est bientôt, est-ce qu'il y aura des, tu sais, des rayons dans les supermarchés avec des produits alimentaires spécifiquement pour les cours de Zumba et puis aussi des tenues spécifiques avec le cours de Zumba. On a déjà les tenues spécifiques. Ah oui, ça s'est fait depuis un petit moment. On a d'ailleurs Kelly Brown qui est sur Salbeuf, lui fait un peu de pub. Donc c'est le Zumba Shop spécifique sur Bordeaux, elle est ouverte tous les vendredis. Mm-hmm. C'est de 9h à 18h qu'on peut aller directement donc chez elle à Salbeuf pour trouver tous les vêtements et accessoires Zumba. Mel, on va s'intéresser à la Zik, forcément on est sur Black Box, ouais. Et je voulais savoir s'il y avait un style musical que tu détestes. Que je déteste, ouais. Peut-être le hard rock. Le hard rock, enfin, les trucs trop... ouais. D'accord. C'est pas mon truc. Est-ce qu'il y a un artiste musicalement que tu kiffes ou que tu as toujours... Alors justement, en ce moment, je suis en train de kiffer de plus en plus Kiss Me, justement, qui est de Bordeaux. Oui, un artiste de la région, oui. Donc je suis en train de créer pas mal de chorés, justement, avec les musiques qu'il est en train de sortir. Apparemment, il prévoit encore pas mal de choses, donc on va continuer. Zumba, zumba à fond. Et est-ce qu'il y a un artiste ou une personnalité du monde de la musique qui t'énerve? Qui m'énerve. Moi, j'aime bien tout le monde, en fait. Je suis pas trop embêtante. T'es cool, ouais, t'es cool. Ouais, non, j'aime bien tout le monde. D'accord, on te remercie pour toutes ces réponses. Tu bouges pas, c'est pas fini. Elle est notre invitée exceptionnellement ce jeudi soir, c'est Mel. Mel, ambiance Zumba, on va dire, dans Black Box by Night. Le retour du son, c'est tout de suite sur les platines de Black Box by Night. 160 millions d'euros, ce qui peut arriver dans la vie si on joue. Est-ce que tu arrêtes de travailler totalement ou est-ce que tu continues? Non, je continue parce que déjà c'est ma passion, que j'adore ça, j'adore la danse, j'adore le fitness, j'adore bouger. Donc ça, c'est clair que j'arrêterai pas. Mais par contre, je me ferais bien un petit tour du monde en Zumba, dans les quatre coins du monde. Alors voilà. comme tu as dit que tu continues à travailler, bon... on va voir si jamais tu gagnes, on va voir si tu continueras. Mais oui, je continuerai, pas de soucis. Justement, en général, c'est ce que les gagnants disent, les futurs gagnants, ils disent toujours qu'ils vont continuer à travailler. Et puis une fois qu'ils ont gagné, ils sont rattrapés par la réalité. Le nouveau son R&B revient tout de suite sur le 103.7. Vous pouvez nous envoyer des messages sur le Facebook Black Box Animateur. Ce jeudi soir, elle a fait le déplacement exceptionnellement pour nous parler de Zumba. J'avais besoin d'une remise à niveau, comme on dit. Et c'est Mel, prof de danse de Zumba. Tu donnes des cours dans différentes salles sur Bordeaux. Tu nous précises lesquelles? Alors, donc, on récapitule un petit peu. Le mardi soir, je donne des cours dans la salle Studio Petit Pas à Bordeaux, donc rue Ulysse Gaillon. N'hésitez pas à venir, donc de 19h à 20h, puis de 20h à 21h, je donne deux cours d'affilée.
J'ai le mercredi également où vous pouvez me retrouver au point animation Carrier de Lormont de 20h30 à 21h30. Le vendredi, je donne des cours sur la salle de Cadojac avec l'association La Bougeotte. Ça se passe au complexe sportif de 19h à 20h. Puis le samedi matin où je donne deux cours d'affilée. Donc là, ça sera dans la salle Corée Danse, 76 rue Mozart à Bordeaux. C'est Bordeaux-Bastide. Et donc une heure de cours de Bokwa de 10h à 11h le matin, puis suivi de Zumba de 11h à midi. Mel, on va s'intéresser à ta culture ciné et surtout on va connaître tes goûts. Est-ce que tu as un film culte? Sexy Dance 4, hein, toujours dans la musique et dans la danse. Ta série préférée, est-ce qu'il y a une série que tu kiffes? Qu'est-ce que j'adore comme... Ou que tu as bien kiffé. Desperate Housewives, ouais. Tu as été déçu par la fin ou pas? Non, justement, non, j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien terminé. Enfin, ça a été une fin assez cohérente. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un acteur ou une actrice que tu kiffes, côté cinéma? Côté cinéma. Ouais. Ben, après, moi, c'est tout ce qui est musique. Je connais pas forcément les noms, mais effectivement, Sexy Dance 4, justement, j'ai bien aimé les deux personnages principaux. D'accord. Ben, tout est dit. Tu restes quand même avec moi. Je suis tellement intimidé. Le cours de danse, c'est dans quelques instants, on va dire. Voilà. Elle est notre invitée, c'est Mel, prof de danse de Zumba. Sur les platines, le soir R&B, c'est tout de suite. Excellente soirée avec nous. Bonne soirée avec nous sur le 103.7 Black Box. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Mel, je ne sais pas si tu es au courant, mais on nous écoute sur le net. Ouais. Et notamment en Tunisie, au Maroc, mais aussi dans les dom-toms. Donc un petit coucou à tous les Guadeloupéens, Martiniquais, les Réunionnais. Enfin bref, tous ceux qui se connectent et qui écoutent Black Box by Night. On est ensemble exceptionnellement jusqu'à minuit avec Mel. Tu es prof de danse. Donc dans plusieurs salles, dans plusieurs lieux. Si on veut connaître tous les rendez-vous et les temps forts, c'est sur ton Facebook. Voilà, sur mon Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver tout simplement en tapant sur Google, sur Internet, Zumba Bokwa Mel Bordeaux. Et là, vous me retrouvez, vous aurez mon site Internet et vous pouvez voir justement tout ce que je propose, les lieux où je donne les cours, etc. Tu parlais des cours de Bokwa. Oui. C'est ça, Bokwa, on dit? Bokwa. Alors, Bo, ça vient de boxe. Et quoi de Kwaito, une danse africaine. Donc c'est un mélange, c'est très cardio en fait, ça n'a rien à voir avec la Zumba, c'est vraiment complètement différent. C'est plus des lettres qu'on reproduit au sol et c'est toujours dans une bonne ambiance festive, etc. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver ce samedi dans la salle Corée Danse, 76 rue Mozart à Bordeaux et vous pourrez justement découvrir le Bokwa.